Moi, je veux parler pour les jeunes du quartier de Marseille 2. Ça fait un moment que nous, les jeunes au niveau de Marseille 2, on constate que les choses sont toujours prises de telle sorte qu'on ne soit pas vraiment considéré. Ici à Marseille 2, on a vu des engins rentrer ici et commencer à raser la route. On est très content et on a acclamé cela. Lourd pour nous est de constater maintenant qu'après plusieurs mois, tout s'est arrêté dans le quartier. On n'a pas reçu même une information ou un mot qui dit que si ça s'est arrêté, c'est à cause de quelque chose ou c'est à cause d'autre chose. Mais on constate que de l'autre côté, il y a une ruelle qui est en train de recevoir les travaux ou même eux, ils ont même déjà reçu en ce moment le béton. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, notre père et notre grand frère, on veut que vous pensiez à nous ici du côté de Marseille 2 parce que nous souffrons en période année scolaire en saison de pluie. C'est compliqué. On est obligé de sortir de chez nous en enlevant les chaussures, en marchant depuis le bas jusqu'en haut. Nous nous demandons de regarder les travaux de Marseille 2. On ne comprend pas que la société a disparu. Ils ont abandonné le matériel sur place, monsieur le Président, notre père. Nous croyons que vous êtes là pour le bien de tous les Gabonais. Pas seulement pour le bien d'une classe des Gabonais, mais le bien de tous les Gabonais. Et nous croyons que, au travers de cette interpellation, vous allez penser à nous, et aux côtés de Marseille, on va recevoir aussi notre part. Merci beaucoup. Merci.